Bonsoir à tous. Bienvenue au niveau de cet 8e épisode, au niveau de la série Swift Academy. Au niveau de cet épisode, on va essayer un petit peu de changer d'environnement. On va essayer d'attaquer une nouvelle fonctionnalité offerte sur Xcode 15.0. Ça, c'est la dernière version en release, qui date presque, je pense, de 4-5 jours. Au niveau de cet épisode, on va s'intéresser à la création des macros. Et la création des macros, ça constitue une nouveauté très intéressante au niveau de Xcode 15 et Swift 5.9. L'idée de base, c'était de créer une macro qui nous permet de gérer la gestion des URL et de remplacer un petit peu le système de guardlet qu'on a. Cette vidéo, elle est inspirée de plusieurs articles qui existent sur le net, principalement la gestion des macros d'Antoine Vinterlet et aussi des exemples qui existent que je vais partager ensuite sur le site sur le GitHub de Apple, principalement le sujet, le projet Swift Syntax. Alors, tout d'abord, on va commencer par la création d'une macro et je vous montre un petit peu la documentation qui existe au niveau de tout ce qui est gestion des macros de Apple. Au niveau du site swift.org. En fait, il y a plusieurs types de macros. Il y a ce qu'on appelle les freestanding macros qu'on va essayer de voir aujourd'hui, qui nous permet un petit peu de... C'est une petite fonction qui nous permet de gérer, de retourner un résultat. Mais il n'y a pas seulement ce qu'on appelle des freestanding macros. Il y a la catégorie attached macros qui regroupe plusieurs sous-types. La macro la plus connue maintenant, c'est la macro observable, qui un petit peu permet de faire de data binding et de gérer d'une manière assez fluide le data binding entre la vue Swift UI et son view model, si on peut dire. Il y aura principalement ces attach macro, il nous permet d'ajouter d'une manière automatique des propriétés, des getters, des setters par rapport à des types. Par exemple ici, l'option set, ça c'est une macro sur une struct qui permet un petit peu de simplifier l'écriture du code de notre structure. Grosso modo, c'est ça. Vous pouvez trouver au niveau du site swift.org plus de détails sur le sujet. Mais au niveau de cet épisode, on va essayer d'aller en pratique pour appliquer le TDD au niveau de la création de la macro. Tout d'abord, on va aller vers File, New, Package. Ensuite, on choisit Swift Macro. On va prendre un nom ici. On va appeler par exemple, myURL. On va créer. Automatiquement, Apple nous fournit un projet qui permet de consulter un template de création de macro avec les informations qu'on a mis. Vous trouvez par défaut le fichier package qui nous présente un petit peu cette macro, où on peut utiliser cette macro. Quel est le nom de la librairie ou bien de package, de target et de l'exécutable. On va essayer de l'appeler myURLClient, etc. On va voir ensuite la décomposition en dossier au niveau de cette macro. Évidemment, on a parlé de ce qu'on appelle Swift Syntax. C'est toute une API, vraiment Swift Syntax, c'est un grand travail, c'est une grande API qui contient plusieurs éléments. Là, c'est la gestion de ce qu'on appelle les macros. Alors, on peut dire que les macros, ce sont des sous-éléments ou bien des sous-bibliothèques, une petite sous-bibliothèque de Swift Syntax. Sinon, vous avez aussi la target de test, la définition de la target de test. Si vous êtes
familier un petit peu avec SPM, vous allez retrouver que c'est simple l'écriture de, ou bien la lecture, si vous voulez, de ce fichier. Passons maintenant à la structure par défaut que Apple nous offre. Apple, au niveau de des macros, on a deux grands dossiers, source et test. On va commencer par le dossier source. Le dossier source contient tout d'abord un fichier qui contient une macro par défaut que Apple utilise, qui s'appelle Stringify. Et ici, on trouve un petit peu la signature de la macro, la déclaration. Ça nous rappelle un petit peu le fichier .h en Objective-C, où on trouve un petit peu la signature de la macro, qu'est-ce qu'elle entre comme étant, quels sont les inputs, les outputs, etc. Nous, bien sûr, on ne va pas utiliser cette macro Stringify, qui tout simplement prend n'importe quel type et elle retourne un tuple qui contient le type. Et le deuxième élément, c'est l'expression, si on peut dire, sous forme d'une chaîne de caractères. Nous, on ne va pas utiliser ce Stringify, mais on va retourner ensuite pour la modification. Sinon, il nous offre un outil de test. Cet outil de test, c'est un petit peu l'exécutable. On trouve la méthode ou bien la fonction main, tout le main ou bien le fichier main, si on peut dire. Et ce fichier main, il nous permet un petit peu de faire appel et de retourner le résultat de ce Stringify. Si par exemple je veux voir les résultats, je peux expandre la macro ici et je regarde, je vois ici le résultat. Bien sûr, ça c'est une manière de faire les choses. Et aussi, on peut aller au niveau des tests parce que Apple, au niveau des macros, il a vraiment favorisé le TDD au niveau comme étant une approche où on peut voir un petit peu des tests, les tests unitaires qui nous permettent par exemple de tester la macro Stringify. Il y a aussi l'implémentation, désolé, l'implémentation de la macro qu'on trouve ici. Et au niveau de l'implémentation de la macro, on a un nom de macro. Un petit peu, la macro se trouve dans une structure qui s'appelle Stringify, par exemple, macro ici. Et il implémente un protocole qui est l'expression macro. Ce protocole, il contient par défaut une méthode statique qui s'appelle l'expansion. L'idée de l'expansion, c'est le fait, lorsqu'on applique la macro, on attend un résultat. Le résultat, c'est un petit peu l'expansion, le résultat de la fonction d'expansion. Ici, par exemple, il prend des paramètres comme les entrées de ce qu'on appelle la notion de note, ici avec un type opaque de type Freestanding Macro Expansion Syntax, et aussi un contexte, qu'on va voir ensuite l'utilité, et ça retourne à ce qu'on appelle un Expression Syntax. C'est pas dans tous les cas qu'on a ça, parce que ça diffère par rapport au type de macro. Ici, on est dans un type Expression Macro, qu'on s'est parlé ici. Là, c'est le type expression macro. Et dans l'expression macro, qui est du type freestanding macro, on a cette manière de on a ces paramètres. Par contre, si on utilise ce qu'on appelle un member macro, qui est du type attached macro, on aura d'autres choses. Vous allez peut-être découvrir ici, là c'est l'expression macro. Il y a les différents types ici que vous pouvez voir. On a le freestanding macro, expression macro. Le freestanding, c'est un sous-élément de freestanding. Ce sont des sous-types. On peut voir aussi les attached macro, les accesseurs macro, plusieurs. Mais les deux grandes catégories, ce sont les attached et ce qu'on appelle les freestanding. C'est pour cela que Apple ici parle des attached macro avec des sous-types qui constituent les member macro, etc. Que vous pouvez voir ici. Voilà. Au niveau de la documentation. Alors, on a un petit peu deux grandes catégories qui se décomposent en plusieurs sous-catégories. Alors, prenons l'expression macro ici. L'expression macro, il va prendre des éléments qui arrivent depuis l'entrée. C'est-à-dire, par exemple, ici, on a x plus y. Là, c'est le node qui trouve. On peut faire un breakpoint ici pour vous montrer comment ça se passe en termes de test unitaire. On lance, par exemple,
ce test unitaire, mais avant, il faut, je pense, choisir My Mac ici. Et on lance les tests unitaires. J'ai fait un breakpoint au niveau de la partie MyURL macro. Ok. Vous voyez ici que on a les paramètres qui arrivent, etc. Et ces paramètres-là, par exemple, si je fais PO Node, ah, ok, ça marche pas. Alors, on va faire un petit astuce là pour changer ici. Ça, c'est une astuce que j'ai trouvée au niveau du site Pontfree la semaine dernière qui disent qu'il ne faut pas utiliser un petit peu à la place des types opaque, on va passer des types génériques de même type que le freestanding et le macro, et à ce moment-là, ça c'est une problématique qui est remontée maintenant chez Apple au niveau des discussions dans le forum Swift, et du coup, peut-être qu'il y aura une solution pour ça. Mais la solution que j'ai trouvée dans le site Pontfree avec eux, c'est d'utiliser les types génériques, et du coup, on peut déclarer un type générique pour le node de ce genre. Avec une restriction, et aussi on peut déclarer aussi un contexte C par exemple avec une restriction. Et du coup ici on va pas utiliser le type opaque, on va utiliser le N et on va utiliser le C. Bon, pour des raisons de clarté, on va essayer de faire de cette manière. Je pense que c'est mieux. Et il manque. Comme ça. On est bon, je pense. Comme ça, on est bon. Le build. Tout d'abord, ça marche. Ensuite, je lance mes tests unitaires. J'ai mon breakpoint. J'essaie d'ouvrir les nodes. Et voilà, on a plusieurs informations. Tout d'abord, l'identifiant de la macro, c'est Stringify, ici. Les différents paramètres que la macro possède, on les trouve dans la partie arguments. Et ici, au niveau de la partie arguments, on a ce qu'on appelle l'expression. Cette expression, c'est celle-là. Et à l'intérieur de l'expression, on trouve des sous-éléments. C'est le left operand, par exemple, ici, c'est l'identifiant du A qu'on a au niveau du test, un autre opérateur plus et le B. Alors on a ici trois éléments au niveau de cette expression. Et cette écriture, elle est à la base d'un langage qui s'appelle AST. Vous pouvez retrouver ici le AST Swift. Alors peut-être qu'on va considérer une petite épisode pour parler de ce AST qui nous permet un petit peu de voir la structure des éléments en utilisant le même langage utilisé par les macros, etc. On va peut-être consacrer une petite séance pour parler de ce AST. Sinon, si on retourne au niveau de notre code, ça c'était une petite présentation de la structure des macros, mais on va passer maintenant au vif du sujet pour faire une petite manipulation et préparer le terrain pour notre on lance les tests unitaires tout d'abord pour vous rassurer que ça passe. Là, c'est l'exemple de Apple. Normalement, il n'y aura pas de problème. Sinon, on va essayer de faire des modifications au niveau de code pour préparer le terrain pour notre macro URL. Tout d'abord, je vais enlever tout ça et je vais déclarer ma macro qui s'appelle myURL. Il va prendre comme paramètre une chaîne de caractères qui représente l'URL comme étant, on peut appeler string URL ici, ça sera mieux. Et celle-là, il va nous retourner une URL. Et du coup, puisqu'il va nous retourner une URL, ici je vais importer Foundation, il n'y aura pas de problème sur ce sujet.
Et ici ça manque le string, et on aura au niveau de la partie type, on aura my URL macro que je vais définir, my URL macro que je vais définir ici au niveau du nom de ma macro que je vais supprimer. Celle-là. Et je vais appeler ici, je vais prendre le nom tel qu'il est. OK. Et je vais enlever tout ce code pour retourner tout simplement une chaîne de caractères, et ensuite on évolue avec le code. Ici, on n'a pas le stringify macro, plutôt on a my URL macro avec le O que j'ai oublié. En termes de test unitaire, on va garder seulement test unitaire ici. Le nom de la macro, il faut la changer. Ça, c'est la liste des macros que notre test unitaire il peut lancer. Vous voyez ici, c'est un dictionnaire qui contient le nom de la macro et le type de la macro. Ici, on va l'appeler my URL macro. Ici. Et ici, my URL macro. Au moment où on est bon, qu'est-ce qu'il reste? On a préparé le terrain. Ok. On va commencer par un premier test. Au moment ici, on est bon, il n'y a pas de problème. Gardons les choses. Ok. Commençons par un premier test. Vous voyez aussi qu'il y a un langage un petit peu spécifique au niveau des assertions, au niveau de XCTest, c'est plutôt un syntaxe spécifique au niveau des insertions des macros qui se base ce qu'on appelle assert macro expansion. Se décompose maintenant à minima de deux parties, c'est-à-dire ça c'est ce que moi, au moment que je lance mon macro, voilà l'entrée, l'input de mon macro. Et au moment de l'expansion, j'attends à un tel résultat, ça existe au niveau de l'expanded source. C'est très proche de ça, mais moi je ne vais pas utiliser ce expanded, je vais pas besoin, puisque je me base tout mon travail sur les tests unitaires pour valider les choses. Vous allez voir que ça va marcher normalement. Alors, on a my URL ici. Vous voyez ici que je commence par un dièse, parce que toute macro, ça commence par un dièse. Alors, my URL, j'attends avec une chaîne vide à déclencher une erreur. Et du coup, à ce moment-là, logiquement, j'aurai pas d'expansion, c'est-à-dire j'aurai pas de résultat, mais j'aurai une erreur. Alors, comment faire pour avoir l'erreur? Ça, c'est une autre histoire. Ici, on va mettre myURL, et comment je vais avoir l'erreur? C'est en utilisant cette notion, une nouvelle notion qui s'appelle diagnostic. Au niveau de diagnostic, on va déclarer un type qui s'appelle diagnostic. Diagnostic, dans le diagnostic, on définit le message d'erreur qu'on attend après le lancement de la macro et un petit peu de paramètres par défaut maintenant qui seront à 1. Dans le message d'erreur, imaginons qu'on veut afficher à notre utilisateur de la macro que à un moment donné, il faut avoir ici 1, 1, je pense, et le message. Le nom de la macro, par exemple, URL macro should have no empty URL. Par exemple, truc comme ça. Et normalement, on est bien. Ça manque ici l'espace. On va lancer les tests. Normalement, j'aurai des problèmes maintenant et ça passe pas.
Et c'est logique, ça c'est le principe du TDD. Ici, qu'est-ce qu'on a? On reçoit rien. Bon, apparemment au niveau des messages, il dit que on attend à avoir quelque chose, mais on reçoit ça, rien quoi, comme étant une erreur, parce qu'il faut lancer, avoir cette erreur au niveau de notre code de production. Alors on va aller vers notre code de production, ici, myURL macro, et on va commencer à faire du travail. Là, on va récupérer les éléments qui arrivent de macro et on va lancer une erreur avec le message d'erreur. Et du coup, on a. J'essaie un petit peu d'avancer dans le code. Et ici, on a. Au moment qu'on a un argument, on va prendre la liste des arguments. Ici, dans notre cas, il y a un seul argument qui va arriver, c'est que ça représente l'URL. Mais à l'intérieur de l'argument, il y a ce qu'on appelle des segments. Il faut aller récupérer le premier segment. Et à l'intérieur, et en utilisant ce qu'on appelle, il faut déclarer un literal string. Ce literal string contient le texte qu'il est à l'intérieur au niveau de l'initialisation de notre macro. On va s'assurer que notre literal string il n'est pas vide. Sinon, on va déclencher une erreur. Throw. Et du coup, ça implique que notre fonction statique expansion, ça sera de cette manière. On va déclarer un custom error de genre empty URL. Bien sûr, ça implique qu'il faut peut-être qu'on déclare ici un private enum custom error qui errors et peut-être utiliser un string convertible custom convertible string pour avoir la propriété de description. Et ici on va déclarer le empty URL case empty URL et on va déclarer la description. Et pour la description variable calculable, on va faire un switch self. Et à l'intérieur de switch self, on va faire case empty URL. Et à ce moment-là, on va retourner le même message URL d'erreur qui existe au niveau de notre test unitaire. Et du coup, on va retourner ici de cette manière empty URL. Alors, normalement, il fait empty URL. Ok. Alors, là, on a le empty URL. Sinon, je vais retourner une chaîne vide. C'est juste, je fais le minimum de code qui passe mon test. Espérons que ça passe. Alors, on lance le test unitaire. Là, on a un fail. On va regarder quel est le problème. Normalement, on a myURL. Peut-être il manque quelque chose. Au niveau de la déclaration, ah oui, myURL macro. Normalement, c'est ce qu'il manque. Ouais, test qui passe. On a le test unitaire qui passe avec le cas d'erreur. Et pour vous montrer, là, on relance une autre fois le test unitaire avec le breakpoint ici. Pour voir la structure du node chez nous, PO node, et pour comprendre un petit peu en clair qu'est-ce qu'il se passe, on a ici l'argument, on va prendre le premier élément, et cet argument, vous voyez ici, il possède des segments. C'est pour cela que j'ai fait string literal segment, et à l'intérieur du premier segment, on aura ce qu'on appelle le string segment. C'est pour cela que j'utilise ici le string segment. J'ai déclaré de cette manière. Et qui constitue le premier élément de mon segment. Voilà. Où je récupère la chaîne de caractères. Mais cette chaîne de caractères existe à l'intérieur de mon string segment syntaxe. Que je récupère depuis ma liste de segments. Si je check ici, vous allez voir.
que c'est un string literal segmentless syntax et à l'intérieur, il est composé d'un ensemble d'éléments. Dans mon cas ici, j'ai un seul élément qui représente la chaîne de caractères vite. Vous voyez, ça c'est la structure. C'est un petit peu de vous montrer. Ça, bien sûr, dans le cas de quoi? D'une ce qu'on appelle une expression macro. Alors, ça se déclenche pour le premier cas. On avance. Mais, bien sûr, apparemment, le nom de test n'est pas convenable. On va peut-être changer test. Should throw error when URL is empty. Maintenant, on va copier le même code et on va lancer le deuxième cas, c'est-à-dire imaginons qu'on a ici une URL de ce genre. www. Par exemple, un nom de domaine. .com de cette manière. Si peut-être qu'il faut ajouter le dièse et le dièse ici aussi pour gérer tout ce qui est paramétrage, pas avoir les problématiques. Là, on est bon au niveau de ce test. L'idée que au moment que j'aurai une URL de cette manière, il faut que je déclenche aussi une erreur de malformatage de mon input. Alors, should throw mal formatted error when URL is not formatted, par exemple. Bien sûr, on aura un autre message, peut-être ici should test. Qu'est-ce que j'ai? Normalement, c'est tout, si je me trompe pas. Je vais lancer les tests comme d'hab. Je lance les tests. Bon, je vais pas m'arrêter dans les breakpoints, surtout que j'aurai une erreur. Là, on aura une erreur, vu qu'on gère pas et qu'on gère pas tout d'abord ce cas d'erreur, il faut peut-être déclarer un nouveau type au niveau du code de production. On va arriver ici. On va aller au niveau de notre code source dans la partie macro et déclarer un nouveau type qu'on appelle case mal formatted URL avec le case mal formaté d'URL et à ce moment-là, on va retourner le message d'erreur. Mais ici, il faut gérer ce cas-là, c'est-à-dire en cas où j'aurai plus qu'un élément au niveau de mon segment, il faut que je gère ce cas d'erreur. C'est pour cela que je vais déclencher les tests pour vous montrer le nombre de segments qu'on a au niveau de ce test. Là, pnode, vous voyez ici qu'on aura pas mal de segments. On a ce premier segment, ce deuxième avec l'expression domaine et un troisième. Alors, si on est bon, il faut avoir un seul segment et du coup, on peut gérer ce test à part avec un petit garde. Là, on peut faire un garde segments.count égal à 1, else on va trouver un custom error avec un mal formaté d'URL. On va essayer de cette manière. C'est le test continué, il n'y a pas de souci. On relancera les tests une autre fois pour voir si ça passe. Voilà, ça passe, bingo, on est bien.
a traité ce cas. Ça, c'est les deux cas de test. Je pense qu'on a passé beaucoup de temps. On va garder d'autres tests unitaires pour un autre épisode où on va voir d'autres cas de test et aussi voir le test un petit peu de success qu'on va laisser en dernier lieu. C'était une première vidéo sur l'utilisation des macros en approche TDD, en passant par les tests et ensuite en écrivant le code de production, de vous montrer un petit peu la structure assez un petit peu qui n'est pas simple, si on peut dire, au niveau de la structure des éléments du macro. Ça incite un petit peu de la réflexion. Et au niveau de prochain épisode, on va continuer avec cette approche et on va essayer d'intégrer cette macro, puisque ici, j'ai pas au niveau de la déclaration de macro, cette macro, au niveau de sa déclaration, c'est une macro externe. C'est-à-dire qu'on peut le déployer dans un autre projet, etc. On va voir les subtilités, il y a des problématiques au niveau de l'intégration de la macro qu'on va laisser pour la prochaine épisode. Merci à vous et à la prochaine. Merci.